Belle bonjour tout le monde qui a regardé moi. Bonjour à vous, à mes natural sisters, ma team Kinky. J'espère que vous allez bien. Je viens vous montrer une nouvelle coiffure pour les fêtes, coiffure protectrice. Cette coiffure peut se porter de plusieurs manières, mais j'ai décidé aujourd'hui de vous la présenter de deux façons. Lâchée et attachée façon pompadour, pin-up, voilà. Donc j'ai réservé la partie à l'avant qui va me servir de d'exprimer ma joie avec mes cheveux, je dirais ça comme ça. Et avec le reste de mes cheveux, je fais des twists plaqués. Donc vanille couchée, ou vous pouvez faire des tresses couchées, comme vous voulez. Dès que c'est plaqué, ça ressemble à peu près à ça. Que l'arrière est tressé, je m'occupe de la partie à l'avant. Je fais des grosses vanilles pour avoir une définition grossière. Après, si vous voulez plus de définition, vous pouvez faire des vanilles petites. Et là, pour avoir un joli bout bouclé, je rajoute mes bigoudis que je mets juste au bout et je laisse sécher toute la nuit jusqu'au lendemain. Je vous avoue que le lendemain, je ne suis pas sortie, donc j'ai gardé mon bonnet. Si, je suis sortie, mais j'ai gardé mon bonnet sur ma tête. Et du coup, deux jours après, ma coiffure, elle est bien sec, elle est bien définie et je suis super contente. J'ai hâte de voir le résultat. Bien sûr, pendant ces deux jours, j'ai fait la folie, donc mes vanilles ne sont pas restées en place. Mais ce n'est pas grave, on va les discipliner. On retire tous les bigoudis, on défait les vanilles, on dédouble tout ça pour avoir un joli résultat. Le but de la coiffure est très simple. Je rassemble toutes les vanilles entre elles. Je fais soit une tresse ou soit je les replie l'une sur l'autre vers l'avant. Vous donnez la forme que vous voulez à vos vanilles. J'ai oublié une, mais c'est pas grave, je vais rectifier ça après. Et ensuite, on fixe le tout avec une épingle. Et le tout, c'est de jouer avec son volume à l'avant. Et je prends une vanille pour faire comme une couronne que je place de part et d'autre de ma partie à l'avant. Ma vanille est fixée. Et maintenant, je donne du volume avec un peigne afro. Je décolle mes racines. Alors, vous faites comme vous voulez. Soit vous gonflez, soit vous laissez plus ou moins plat. Donc, j'ai beaucoup joué. J'ai dédoublé. J'ai arrangé, réarrangé. Et puis, je me suis décidée. Voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé cette coiffure. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Deuxième option, je rassemble tous les cheveux et je forme un pompadour. Donc vous donnez la forme que vous voulez. Moi j'ai choisi sur le côté, bien pompé comme ça. J'adore. Merci d'avoir regardé. Gros bisous, à bientôt.